start again. Bonjour et bienvenue à tous. Une nouvelle vidéo sur Pizza Média, votre chaîne préférée. Depuis le jeudi le 5 mars 2020, des voix se sont élevées, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les médias ou à la télévision, suite à l'annonce du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a renoncé à un troisième mandat. Les commentaires ne cessent de pleuvoir. Au nombre de ces personnes, on peut citer Emmanuel Macron, le président de la France, Guillaume Soro, Pascal Afi Nguissan, Tiken Jaffa Koli, Billy Billy, Desbordeaux, Les Koumfa, Asalfo, Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, Koulibaly, etc. Alors, nous découvrons aujourd'hui quelle a été la réaction de ces derniers. Le président ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, s'est exprimé devant le Parlement réuni en congrès le 5 mars 2020, où il annonçait qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat à l'occasion de l'élection d'octobre de lundi. Voici donc la réaction de ces hommes politiques et artistes de la Côte d'Ivoire et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron, actuel président. Je cite, je salue la décision historique du président Ouattara, homme de parole et homme d'État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Côte d'Ivoire donne l'exemple. Guillaume Soro, exilé en France depuis décembre dernier, suite à un mandat d'arrêt des autorités ivoiriennes contre lui, avait aussi réagi à l'annonce du président Alassane Ouattara. Je cite, cette annonce est destinée à séduire l'opinion publique internationale pour obtenir la bienveillance, complaisance de celle-ci et surtout à détourner l'attention du peuple des vrais enjeux, à savoir le tripatouillage de notre constitution pour asseoir le règle d'un clan ad vitam internam. C'est à tout le peuple de la Côte d'Ivoire que je fais appel. L'heure est à l'union sacrée face à un péril qui menace nos libertés et notre nation. Fin de citation. La réaction d'Afi Nguissan, ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire entre les années 2000 et 2003. Je cite, Alassane Ouattara n'est pas un candidat à l'élection présidentielle. C'est une grande décision, un acte fort. Il pose ainsi les bases d'une élection transparente. Le ministre d'État, le ministre de la Défense et maire de la commune d'Abobo, monsieur Ahmed Bakayoko, pour sa part, je cite, je suis fier de ce genre d'homme et heureux de le côtoyer. Un grand Africain qui donne de l'espoir à notre continent. Le premier ministre actuel de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Koulibaly, se prononce sur son compte Twitter après être désigné comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 par le président Ouattara. Je cite, je prends l'engagement que la volonté du peuple, que la volonté du président de la République d'avoir une équipe soudée et rassemblée sera exaucée. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour qu'il en soit ainsi, pour que nous soyons unis. Je lance un appel à toutes mes sœurs et à tous mes frères pour que nous soyons unis. J'ai eu l'occasion de servir le pays en qualité de ministre de l'État, de secrétaire général de la présidence et de premier ministre. À ce poste de responsabilité, j'ai pu voir ce qu'implique la gestion de l'État et mesurer sa complexité. J'ai pu, aux côtés du président Alassane Ouattara, me rendre également compte des contraintes que cela impose à ceux qui veulent incarner la République. Nous devons gagner ces élections dès le premier tour. Pour ce faire, nous devons nous engager individuellement et collectivement. Je n'ai pas de doute que nous gagnerons ces élections au premier tour et que l'équipe travaillera pour qu'il en soit ainsi. Fin de citation. Tiken Jaffa Koli réagit au retrait d'Alassane Ouattara. Je cite, je voudrais saluer la grandeur de l'homme, le respect de l'engagement et le fait que le président de la République Alassane Ouattara met au-dessus de tout l'intérêt de la nation. L'intérêt de la nation se trouve dans la stabilité. Pour qu'il y ait stabilité, il ne faut pas qu'il y ait de tension et donc je pense que le président Ouattara a fait preuve de responsabilité, de patriotisme. Au moment où certains chefs d'État cherchent à s'accrocher comme des Akpani, c'est-à-dire un chauve-souris, au pouvoir, lui il arrive, il dit je passe la main à la nouvelle génération. Et ça c'est ququelque chose de très très fort. Fin de citation. Salif Traoré, connu sous le nom d'artiste Asalfo, le patron du groupe Magic System. Quant à lui, il salue la non-candidature pour un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Je cite, le choix de ne pas vous présenter aux prochaines élections présidentielles est une décision historique. Vous venez d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de notre pays. Bâtir et partir sans crier gare, c'est ce que j'appelle l'élégance. Merci pour la paix, merci pour l'alternance, merci pour le travail abattu, monsieur le président. Fin de citation. Billy Billy, de son vrai nom, Yao Billy Serge, il est un rappeur originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour lui, il s'agit, je cite, un acte de bravoure. Je refuse d'être de ceux qui ont la critique facile. Ceux qui
critiquent juste pour critiquer. Je veux avoir l'honnêteté historique de reconnaître que jusqu'à la dernière minute, je croyais encore que le président Alassane Ouattara briguerait un troisième mandat. Mais ça n'a pas été le cas. Félicitations à vous, monsieur le président, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'histoire retiendra cela. Fin de citation. Débordo Lekoufa, artiste chanteur ivoirien, l'homme de buzz de ces derniers temps. Je cite, Rézi, c'est que moi aussi j'annule la sortie du cœur du sale pour laisser la place à la nouvelle génération. Les Safarel, les Moscou, Ariel Chenet, etc. C'est mieux de sortir par la grande porte, a écrit Débordo Lekoufa. Pour rappel, cette liste de personnes qui ont réagi à travers la sortie du président n'est pas exhaustive. J'invite à tout le monde de réagir en commentaire et de donner votre point de vue. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les informations sur la chaîne. Pizza Média, votre chaîne préférée. Au revoir et à bientôt.